qu'il faut s'arrêter là. On laisse de l'espace un petit peu plus à gauche. Voilà, ça suffit. Voilà. Alors, Jean-François, qui est sur la droite pour nous, tient un poulain qui doit avoir à peine un an. C'est là qu'il a. Il a 8 mois. Ouais. Alors, 8 mois, il fait facilement, on va dire, pas loin de 400 kilos déjà. Et il faut le manipuler, c'est pas facile. Donc il faut le dédicter, le conseiller départemental, le député, le conseiller régional, on en a un, on en a deux, voici le président de Pierre de Pizet, et puis Jean-Baptiste, Pascal, Henri et Gilles. Pour la représentation du monde agricole, c'est important parce que on en souffre un peu en ce moment, il y a des choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai pour les photos, ok? Ah, Michel! Oh, le cheval! Oh, on est vite! C'est bon, ils avancent! Regarde! C'est magnifique parce qu'on a un vrai uniforme sur toute la jument, avec du membre, sans balzane, sans rien, elle n'a même pas une école sur la tête. Elle est vraiment super. Chacun ses goûts. Mais Valérie aime bien sa jument. Tu veux pas la vendre? Non, je veux pas la vendre. Vous savez, vous êtes pas d'argent, hein, parce qu'on se dit, ah, 6 ans de trop, de l'argent, ça c'est pas vrai. Quand on élève un poulain de sel, un poulain de base, arrivé à 4 ans, parce que c'est à l'âge où on va le vendre, parce qu'il ne sera pas édité, il va vendre entre 4, 5, 6 000, 7 000 euros. Ça se compte, 4 ans, divisé, plus 1 an dans le ventre de la mère, ça fait 5. Diviser 5 ou 6 000 euros par 5, c'est ridicule. Donc vous avez bien compris qu'ils le font par passion, uniquement par passion et pas pour l'argent. Vous êtes d'accord? Mais on est fiers d'eux et on les applaudit vraiment pour les remercier. Bravo. Allez, encore un petit tour, Valérie, et ensuite on va les faire courir, et les dames vont arriver. Allez, on va faire un petit tour. Allez, encore un tour, tu te fais repos, allez, allez. Allez, prends des distances, c'est bon. Allez, au sol. Merci, Pascal Vincent, et Valérie, monsieur. Je sais que joli, bonne présentation. Super. Bravo. Allez Pascal, attention à tes talons. Allez. Et mon ami Pierre-Olivier, Pierre-Olivier, Dupuis, voilà. Il vient de la limite de l'instantanément, en privé. Et il nous présente ses ânes. Alors, c'est pas des ânes, c'est des ânes, c'est des parties de la race presque équine, donc une race asile, c'est un peu compliqué. On va les arrêter. Malheureusement, ils sont moins nombreux aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont les éleveurs de bestiaux sont moins nombreux. Merci Martial, à tout à l'heure. Merci Monsieur le maire. Parce que la première, c'est pas facile aujourd'hui. Je veux dire, pour l'avoir été, voilà. Voilà. Donc rendez-vous, vous aurez tout compris, à partir de 15h ici. Si vous ratez le défilé de Jules Martial, franchement, c'est le maire. Voilà. Si vous n'êtes pas loin de chez la grand-mère, ou chez la tata, ou chez le tonton, vous cassez la croûte, resterez-vous sur le marché à 15h. Mais on devra rejoindre-nous à partir de cette heure-là. Voilà. Merci les éleveurs, merci à tous pour la présentation. Vous avez été comme d'habitude parfait. On se donne rendez-vous à cette casse-croûte à partir de 3 ans moins le quart pour la préparation des harnachements et des attelages. Alors, pour ce rappel, pour un attelage, on n'arnache pas notre attelage, on garnit notre attelage.
Allez, petit,
Il est pas droit. Non, mais il est plus petit que... Largement. Ah oui, bon, on y va à plus ou... Non, mais là, il faut le chauffement, après, c'est bien vert. Après, ils vont se tester. Il a 13 ans, hein. Et il est sourd. Thank you.
sonner la trompette. Alors, jeune homme. Ah, c'est l'heure de la sieste. Oui, ouais, il y a du vent, hein. Il est toujours froid. Au bord de l'eau, on est bien. Bah, on l'a déjà vu l'an dernier. On achète une laisse comme ça. Cette diversité qui fait la qualité de nos éleveurs et qui passionne tous ces gens-là. Voilà. Je voudrais qu'on les applaudisse très fort. Très très fort, parce que là on n'entend rien. Ouais, c'est mieux. Encore plus fort. Allez. Bravo. Et puis, les sons. La guerre 14. Imaginez qu'un jour de beau marché comme ça, le gars Champagne avait dénombré plus de 1000 voitures, quelles que vous voyez là, des charrettes, des 4 roues, des cabriolets. Imaginez quand même le monde qui pouvait accuser ce jour-là. Donc, Bye.
super. Vous savez, l'agriculture qui se trouve donc à Saint-Pélier, alors ne manquez pas d'y aller. C'est un spectacle pour le monde avec des animaux livrés exceptionnels, que ce soit des poules, des lapins, des volailles, des pigeons, des canards, enfin, toutes ces animaux masculins qui sont tous ici pour des actes de jeu. Évidemment, on a plusieurs galeries ouvertes à Toussy, notamment là sur la place de l'Interpréville, ça s'appelle la galerie de son poste. Et actuellement, vous pourrez y voir des raccoons et une œuvre récente de Camille Vival. Également, qui présente des bols, des voiles, des bracelets, des fétiches. Thank you.